Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 81 du Bankroll Challenge. Aujourd'hui, j'ai re-entré le 1000$. Je suis arrivé avec 25 blindes, j'ai un petit peu late reg. Ça a été une journée extrêmement compliquée. En 6 heures de jeu, j'ai fait que de folder quasiment. À part les deux premières orbites où je jouais pas mal de mains, je touchais pas mal de jeux. Mais ensuite, sur l'espace de 5 niveaux, j'ai V-pip deux mains, dont une que j'aurais presque pas dû V-pip. C'était genre... Mais incroyable le run de cartes. C'est aussi dû au fait que la table était extrêmement lente. On devait jouer genre 10 mains par niveau. Chaque main durait genre 5 minutes, ça tankait toutes les décisions. On était en 10 max, c'était vraiment pas très plaisant de jouer dans ces conditions. Mais j'ai été sérieux, j'ai patienté. J'ai presque aucun coup intéressant à raconter vu que j'ai fait que de fold. La seule main à peu près intéressante c'est Dame Valet suité. Je suis UTG avec 18 blindes. Je limp à 1600. Bouton overlimp et BBB check. Le flop c'est Roi Dame Valet, j'ai deux, bottom 2 avec backdoor flush draw, bébé check, je peux bet ou check ici, bon j'ai check. Le bouton mise 2500, je paye, turn un 3 offsuit, je check, il check back, river un 2 offsuit, je fais quasiment pot il me semble, 10 000, et il paye rapidement, je pense qu'il devait avoir genre Roi 10. C'est la main qui fait le plus de sens, ou Roi 9 suité. Et après ça, bah je fais que de folder, que de folder, que de folder. Pendant je sais pas combien de temps, je me retrouve à... 22 000 sur le dernier niveau du jour, du D1, sur les blindes 1000-2500, j'open shove mes 9 blindes au hijack et bouton call, j'ai As-Roi off, il a As-10, flop As-10 brick, turn 10, il a full, et terminé, il est minuit, je pourrais aller en cash game mais je me sens un petit peu trop fatigué, je pense que tranquille, je vais rentrer et demain sera un autre jour, voilà, à plus tout le monde, ciao.